Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour le taroscope du mois de décembre 2023, les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde et que vous ne prenez vraiment que ce qui résonne. C'est important. Donc, nous allons voir les énergies avec trois jeux de tarot qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre. Donc, nous allons voir un petit peu les énergies qui vont accompagner les Gémeaux sur ce mois de décembre, les amis. Allez, ben on a une super carte, c'est celle du monde, les amis. Je pense qu'il y en a qui ont clôturé ou qui sont en train de terminer un cycle, les amis. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. La meilleure carte du tarot, c'est que quand même, on vous dit que durant ce mois de décembre, il va y avoir des choses très favorables pour vous. Des énergies favorables qui vont vous accompagner à boucler un cycle et à démarrer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression avec cette carte du monde qu'on vous dit que tout est possible, que vous avez la possibilité d'accéder à tout ce dont vous désirez ou tout ce que vous voulez, amis Gémeaux. Il y a vraiment cette notion de réussite, hein, avec le monde. Et de choses qui se transforment progressivement, les amis. Donc, je pense que vous allez progressivement avancer vers quelque chose qui va vous réussir, ou vous allez mettre en place des actions ou des choses comme ça, et la vie va vous donner un coup de main, les amis, hein, avec cette carte du monde. Qu'est-ce qu'on a? Peut-être que certaines personnes ont investi beaucoup, beaucoup d'efforts ou commencent à mettre des choses en place pour récolter les fruits, mais que pour l'instant, peut-être que vous avez du mal à en voir la couleur. Avec la notion de monde, ça veut dire que quand même, toutes les graines que vous avez plantées, amis Gémeaux, elles sont en train de progresser favorablement pour vous. Elles sont en train de prendre forme, en fait. Donc, on vous dit de continuer, de persévérer. Je pense que la réussite n'est pas loin pour vous, amis Gémeaux, et que tout ce que vous avez planté va être amené à se développer, hein, en fait. Hein, regardez. On a de bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous avec le cavalier de Pentacle, qui est quand même les nouvelles sur le plan matériel, financier. Il y a peut-être l'aide de quelqu'un qui va être assez enrichissant pour vous aider à continuer à faire grandir ces graines que vous avez plantées. J'ai vraiment l'impression que la réussite n'est pas loin pour vous, amis Gémeaux, que vous avez mis en place certaines choses. Là, vous pouvez peut-être également, durant ce mois de décembre, vous reposer un peu. On est en train de me dire que comme vous avez bien travaillé, vous allez finir par en récolter les fruits, mais que vous pouvez aussi profiter de ce mois de décembre pour ralentir un petit peu le rythme. Voilà ce qui me vient. Vous allez avoir aussi, vous aussi, des bonnes nouvelles, les amis, par rapport à ce que vous avez planté. Et j'entends la réussite n'est pas loin avec le monde, les amis. Hein. Les choses vont s'accélérer pour moi. S'il y a des choses que vous ne voyez pas venir encore à l'heure actuelle, on vous dit que par la suite, les choses vont s'accélérer. Donc, vous pouvez peut-être aussi prendre un peu de temps pour vous, pour poser tout ça. On me dit que vous avez bien travaillé, les amis, ou que vous avez bien mis en place des choses pour que ça porte les fruits. Hein. Et on me dit que ça va arriver assez rapidement par la suite. Donc, peut-être effectivement de vous reposer à l'instant T, parce que quand les choses vont redémarrer, elles vont redémarrer de plus belle. Voilà ce qui me vient avec ce tirage, les amis. Et j'entends vraiment la réussite n'est pas loin. Donc, croyez en vous. Ben regardez, on a le triomphe, on a la clarté d'esprit, on a les choses qui vraiment... J'ai une notion vraiment très forte de réussite pour vous, amis Gémeaux, après avoir travaillé durement. Soit sur vous, soit sur des choses que vous voulez voir se concrétiser, on voit qu'il y a une notion de triomphe, de clarté d'esprit, de choses favorables qui arrivent. Pour moi, vraiment, c'est comme si on vous disait que la réussite était au bout du chemin. Et que, alors, j'ai pas l'impression que ça sera de suite au mois de décembre. C'est comme si on vous disait, ben là, vous pouvez vous reposer un petit peu ou recharger vos énergies parce qu'il y a de très jolies choses qui arrivent par la suite et vous serez quelque part récompensé parce que la réussite est au bout du chemin, les amis.
Le triomphe, voilà. Et les choses vont avancer d'un coup. Donc, moi, pour moi, il y a une notion de les choses vont s'accélérer par la suite. Qu'aujourd'hui, peut-être, vous avez besoin d'un temps de pause parce que vous avez, je vous dis, hein, vous avez travaillé de façon soutenue, vous n'avez rien lâché, vous avez continué à avancer. Aujourd'hui, vous pouvez un petit peu, peut-être, pour certains, si ça vous parle, vous mettre en mode un peu ralenti parce que ça va démarrer de plus belle, hein, pour moi. Il va y avoir des choses qui vont bouger. On a le cavalier d'épée qui, quand même, est une action rapide, des choses rapides qui arrivent. Le triomphe et le chariot qui est aussi une notion de réussite, d'avancement, de savoir où on va. Donc, peut-être que vous aurez des éclaircissements de situation pour aller dans des directions bien spécifiques. J'ai l'impression que pour vous, il y a une clarté d'esprit qui se met en place également sur le mois de décembre pour pouvoir avancer, les amis. Et que les choses vont très vite se débloquer ou avancer très rapidement par la suite. J'ai vraiment ce ressenti. Il y a un retour à la stabilité. Voilà, hein, il y a une base qui est posée là et qui est solide, on me dit, avec le 4 de bâton. Hein. Il y a des bases solides qui sont plantées. Il y a des efforts qui ont été enclenchés. Et du coup, ben, il va y avoir un mouvement, pour moi, assez rapide, mais après décembre, qui va faire que vous allez rapidement progresser ou que vous allez commencer à récolter les fruits d'un travail peut-être acharné ou quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il y a très vite un retour à la stabilité également. Hein. Peut-être que vous êtes encore dans une période instable, les amis, que vous ne voyez pas encore les résultats de votre travail. Hein. J'ai vraiment ce ressenti-là. Mais les choses vont s'accélérer et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses vont s'éclairer aussi dans votre vie. Et le fait qu'il y ait du mouvement vers quelque chose qui va commencer à bouger et qui va vous réussir, va vous permettre de vous stabiliser intérieurement, mais aussi extérieurement. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, par rapport à ce que vous avez planté, les amis. Donc pour moi, la réussite, elle n'est pas loin. Continuez d'avancer. Si vous n'en voyez pas les fruits, on vous dit vraiment de continuer, hein, malgré tout, de ne pas perdre espoir. Trouver l'équilibre entre trop faire et pas assez, hein, parce que je pense qu'il y a aussi cet équilibre de savoir un peu se reposer, mais aussi à d'autres moments d'investir du temps, voilà, hein, essayer de trouver quand même le bon dosage, hein, parce que j'ai vraiment le ressenti qu'on me dit de ralentir un petit peu, pour après reprendre cette dynamique qui va s'accélérer par la suite et vous aurez plus le temps de souffler, quoi. Voilà ce qui me vient avec ce tirage pour vous, amis Gémeaux. Allez, je continue. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la fin, hein, qui s'est retournée, les amis. Donc, peut-être la fin d'un cycle. La roue qui tourne. Hein. Donc, pour moi, vous allez passer peut-être d'une période un peu de désespoir ou du moins de lassitude, je dirais, par rapport à des choses qui n'avancent pas. Et vous allez aller vers quelque chose qui avance et qui est fait pour vous, quoi. Vous allez commencer à récolter les fruits de votre travail. Moi, c'est vraiment ce qui me vient avec ce tirage pour vous. Hein. Et j'ai le ressenti que les choses vont s'accélérer d'un coup par la suite, hein, les amis. Hein. Vous allez sortir d'une période où voilà, les choses elles étaient pas géniales avec le 7 d'épée. Voilà, hein, et on le voit clairement, peut-être que vous êtes du côté de gauche de la roue, c'est-à-dire au côté de j'ai investi, mais j'en vois pas la couleur. Il y a quand même une transformation pour aller vers quelque chose de mieux. Hein, et quitter justement ces énergies de... il n'y a rien peut-être qui avance ou il y a des choses qui bloquent. Hein. Regardez, il y a la nouveauté qui arrive sur le plan agréable. Les choses qui vous tiennent à cœur et qui vont commencer à se matérialiser. Il y a un renouveau. Mais pour moi, il y a un renouveau qui arrive après de façon... comme si tout se débloquait d'un coup pour vous, hein, amis Gémeaux. Voilà. Et on me parle aussi d'efforts récompensés, les amis. Donc, il y a une réussite qui n'est pas loin, là. Vous êtes à deux doigts de la réussite. Vous êtes à deux doigts de démarrer quelque chose qui va s'accélérer. Voilà. Mais on vous dit également de doser, de savoir aussi prendre soin de vous, vous reposer quand il le faut, parce que les choses vont redémarrer de plus belle. J'ai vraiment ce ressenti pour vous. Hein. En tout cas, on voit que ça finit toujours par des énergies assez douces, hein. Le page de coupe, c'est quand même bien sympa.
c'est quand même des nouvelles douces et agréables, un nouveau départ, quelque chose qui démarre et qui vous correspond. Hein. Et on voit avec la reine de coupe, voilà, hein, que les choses vont évoluer. Là, vous êtes au début, là, vous êtes déjà assis par rapport à une situation. Donc, moi, pour moi, les choses vont s'accélérer très vite par la suite pour vous. Hein. Et vous allez retrouver, et regardez, on a encore le 4 de bâton, une deuxième fois en fin de tirage, qui vous invite quand même que vous allez vers davantage de stabilité, que vous allez pouvoir vous reposer, que vous allez pouvoir avancer. Il peut s'agir aussi de l'arrivée de quelqu'un, vous avez peut-être essuyé des trahisons hein, de par le passé, qui vous a mis dans le plus grand désespoir, mais on voit que vous allez réussir à dépasser tout ça pour aller vers des choses plus agréables et vous aurez une stabilité émotionnelle et beaucoup plus de joie de vivre par la suite, peut-être par la rencontre de quelqu'un avec lequel vous constituerez un foyer également, hein, parce que là, il y a la réunion de deux personnes et quelque chose de stable et de durable dans le temps. Donc, vous pouvez l'adapter aussi à une situation de rencontre, de construction de foyer, de construction d'une étape de vie qui sera beaucoup plus stable et que les choses vont se débloquer d'un coup. Voilà ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux. Allez, donc la réussite pas loin sur le plan peut-être de matériel et financier, mais aussi peut-être sur le plan d'arrivée de nouvelles personnes, les amis. Hein. J'ai vraiment cette notion de construction d'une vie plus stable. Regardez, vous manifestez quelque chose. Hein. Là, vous êtes en train clairement de manifester quelque chose, de désirer quelque chose et de mettre en place ces actions. On l'a vu tout à l'heure que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez beaucoup travaillé pour que quelque chose se réalise. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui se débloque d'un coup, tout simplement. Vous avez été longtemps peut-être enchaîné à des situations. Vous avez peut-être été longtemps enchaîné à des relations également qui n'étaient pas bonnes pour vous avec le diable. Hein, pour moi, clairement, il y a eu du peut-être besoin de temps pour vous libérer de certaines choses. En tout cas, avec l'étoile, on vous dit que les choses vont vous sourire, que les choses vont aller vers du mieux. De continuer à croire en votre bonne étoile, les amis. Il y a vraiment cette notion de quelque chose qui arrive d'un coup et qui s'accélère et que vous allez être récompensé de tout le travail que vous avez effectué. Voilà ce qui me vient pour vous, amis Gémeaux. Je termine par une petite carte. Alors, avec l'étoile, on a vraiment une énergie de réussite, de joie, de quelque chose aussi que vous espérez qui est en train de se libérer, de se manifester, après être passé par une libération, alors soit intérieure, soit en lien avec des situations et des relations qui ne vous correspondaient plus. Voilà, hein, on voit que vous avez quand même continué malgré tout à faire tout ce travail. Et là, on dirait que votre bonne étoile est sur vous, donc on vous dit de croire en votre bonne étoile et que la réussite arrive, quoi. Tout simplement, c'est vraiment... Et fait une pause, voilà, ça rejoint vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont s'accélérer, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, agréable, vers une évolution favorable et positive, mais on vous dit quand même peut-être que sur ce mois de décembre, vous pouvez être serein, peut-être avec l'étoile, vous pouvez vous reposer un petit peu, hein, bien évidemment, ou doser le travail acharné et les périodes de repos pour vous recharger. Parce que moi, clairement, la réussite est au bout du chemin pour vous. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye!